Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end. On va continuer notre aventure. La mise à jour partie 3 n'est pas encore sortie. En fait, j'avais envie de finir ça. J'avais envie de finir Milton en fait. On doit aller donc ici réparer la transmission du village de Montagnard. Donc c'est Milton. Donc je voulais finir ça. Et après, on ira à la crique lugubre quand la mise à jour en fait sera sortie. Pourquoi? Parce que Milton, en fait, c'est chiant. Il va falloir monter des cordes et tout ça. Il va falloir amener une batterie. Au cas où, s'il n'y en a pas. Si jamais il y en a déjà une, bah, c'est pas grave. On repartira avec notre batterie. C'est pas vraiment important. Mais voilà, je voulais finir en fait Milton. Parce que Milton, c'est pas très loin. Mais c'est chiant pour y aller. Mais c'est vrai que c'est pas extrêmement loin. Donc avant qu'on parte, parce que j'ai que la batterie en fait sur moi. Donc on va prendre du matériel. Donc il nous faut deux câbles. Et c'est trois fusibles. Oui, je l'ai marqué sur un papier, juste au cas où. Trois fusibles. Et après, il nous faut du métal. Alors, le métal, on va sûrement le trouver à 1000 tonnes. Donc, on va devoir prendre notre scie. J'ai essayé de baisser mon poids le plus possible. J'ai du mal. J'ai du mal parce qu'on prend un sac de couchage en peau d'ours. J'ai même pensé à réparer mon sac de couchage parce que, à ce moment-là, il donne que 7 degrés quand on dort. Alors qu'en théorie, il peut donner, je crois, 13 ou 14 degrés. Donc on pourrait le réparer, mais bon, j'ai pas vraiment envie, parce que encore une fois, là, je le répare à 100%. Donc je sais pas de combien, en fait, ça répare, parce que les vêtements, la plupart du temps, le maximum, ça serait genre 30%, un truc comme ça. Le sac de couchage, ça a l'air d'être énorme, en fait. Bah, tant mieux dans un sens, parce qu'à chaque fois, il faut quand même une peau d'ours. Donc ouais, donc on est à 48 kilos. J'ai de la nourriture, j'ai de l'eau, donc on a à peu près un peu plus de 3. Je pense que ça passe. Qu'est-ce que je pourrais balancer encore? On n'a pas de feu. Ça, je peux pas vraiment le déposer parce que sinon je vais perdre en calories. Donc je suis bloqué avec. C'est très, très, très embêtant. Extrêmement embêtant. Un truc que j'ai vu, c'est ça par contre. On peut tout jeter, le café à la limite. Tout jeter, j'ai pas pris de lampe non plus. C'est vrai qu'on va pas avoir de lampe. Aïe 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 aïe, ça va être la galère pour y aller honnêtement. Avec autant de choses. À la limite, c'est le sac de couchage en fait qui me prend trop de place. Pourquoi je me baisse? C'est pas comme s'il y avait des gros problèmes ici. Ouais, on peut faire un feu. Parce qu'on va devoir passer la grotte aussi. Je vais pas la passer. Je vais pas la passer à l'aveugle quand même, non. Hein? Après, je peux balancer la torche aussi. Qu'est-ce qu'on peut balancer encore d'autre? Là, j'ai vraiment pas beaucoup de choses. Ça c'est 0,10, c'est pas énorme. J'aurais dû peut-être me préparer un peu plus. Ah, oh, me dis pas qu'on est déjà. Ah, ça m'énerve, ça c'est. Je veux quand même être équipé si jamais on reste longtemps en fait. Ok. Allez, go. On y va. On y va. Donc on va passer par la grotte, puis après on va monter les deux échelles. On a un sac de couchage pour se reposer entre les. Pas les échelles, les cordes. On a un sac de couchage pour se reposer entre les deux cordes. Donc ça va. Ok, j'ai un moyen
pour monter les corps plus facilement. Donc ouais, on va y aller. On va aller réparer ça. Et normalement, je voulais en fait en finir, honnêtement, avec ça. Encore une fois, oh non, il y a le vent qui souffle dans ma direction, évidemment, comme d'habitude. Mais j'avais vraiment envie de finir avec Milton, parce que c'est très compliqué d'y aller quand on doit faire attention à notre poids. Donc c'est le problème que j'ai avec Milton. Donc je voulais absolument en finir, comme ça on peut avancer sur autre chose. Après, si on doit prendre une batterie, je sais pas, autre part, genre à la crique lugubre ou je sais pas trop quoi. Je sais plus, je sais pas où ça va être la prochaine antenne, s'il y en a une prochaine. Donc c'est pas très grave s'il n'y a pas de corde en fait. Aussi, normalement, je mettrai à l'écran les caches que j'ai eues. Donc j'ai fait la cache de la Vallée Charmante et j'ai fait la cache d'ici qui m'a mené un avion en fait qui s'est crashé apparemment. Je sais pas si c'est nouveau ou c'est par rapport à l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a, donc du coup, il y a un avion qui est par là-bas. J'ai pu récupérer quelques petites choses, mais rien de très gros. J'ai récupéré quoi? Alors, Vallée Charmante, c'était encore du maïs. De la nourriture, du maïs. Donc, je l'ai mis de côté. Et après, ici, au Lac Mystère, j'ai eu quoi? J'ai eu un câble. Ouais, j'ai eu un câble. Je crois bien. Ouais, ça, c'était un câble. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je m'attendais pas vraiment plus, hein, franchement. Hein, donc, mais c'est déjà mieux qu'un bâton. Voilà. Genre, un bâton ne devrait vraiment pas être dans une cage. Parce que les bâtons... ça a même pas de logique de pourquoi il y a un bâton à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, là, genre une conserve de maïs, ça va, ça a du sens. Et après, du câble, ça a du sens. Enfin, des câbles. Je sais pas vraiment par quel chemin je passe là. Normalement, oui, non, on doit être bon là, je crois. J'essaye de pas courir, comme ça on n'a pas trop besoin de dormir. Là par contre, on a... Je sais pas si on peut faire un feu. Oui, je crois. Je crois. Ça, on va pas le prendre. Et après, Hamilton, si jamais il n'y a pas de batterie et du coup on n'a pas besoin d'en redescendre une, on essaiera de se blinder un peu d'objets. Genre du tissu, des choses comme ça. Genre qu'on a à peu près une dizaine de kilos, je dirais, de choses en fait à ramener. Je pense que ça serait cool. Est-ce que je suis allé trop loin là ou pas? J'ai l'impression que je suis allé trop loin, en fait. J'aurais pas dû prendre par là du tout, en fait. J'ai vraiment été très bête. J'aurais dû prendre par les rails, tout simplement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, j'aurais dû prendre par les rails, c'était très très bien. Ah là là, ça commence bien. Ça commence bien cette aventure. Enfin voilà.
Et après, pour la crique lugubre, on ira... Aussi, je viens de m'en rappeler quand j'étais en train de réfléchir à la crique lugubre. Parce que ça fait des années, hein, la dernière fois où on était allé à la crique lugubre. Il nous faut un code, je crois. Je crois que c'était une des premières zones, en fait, un peu compliquées, où il fallait passer par... Je crois qu'il y a deux entrées dans la crique lugubre. Je crois que une, c'est Muskeg Morn. Et l'autre, je crois que c'est le Ravin, ou un truc comme ça. Et il y a une zone, en fait, où on peut faire qu'un... Attendez, que je réfléchisse deux secondes. Il y a une partie, en fait, de la crique lugubre qu'on peut pas atteindre si on prend une des entrées, quoi, ou entrée-sortie, c'est pareil. Un des passages. Parce qu'il manque une corde ou un truc comme ça. Et du coup, on est obligé de passer par là si on veut récupérer le code. Et je crois que le code, il sert à ouvrir l'endroit où on peut crafter des munitions et tout ça. Si je dis pas de bêtises. Ah mais c'est bien, je défonce toute ma vie pour rien parce que j'ai pris un chemin qui est méga long. Ah bah bravo. Alors là, magnifique. En plus avec le vent, ça aide pas du tout. C'est bien parce que j'ai dormi pas mal d'heures hein, pour essayer de récupérer la vie que j'avais perdue la dernière fois. Oh là là, c'est le pire au monde d'être repoussé par le vent. C'est le pire au monde. J'en peux plus de ça. Qu'est-ce que c'est chiant. Je déteste ça. J'ai envie de sprinter d'une force, mais on va se fatiguer encore plus. Alors, fais voir si on peut passer la grotte sans lumière. Ça m'étonnerait, hein. Je pense que je vais devoir craquer une allumette. Après, je crois bien qu'il y a une autre façon de passer par... d'aller à Milton, mais ça serait plutôt vers le bas. Ça serait très très long, en fait, le chemin. Si je me rappelle bien. Je vais essayer de le faire sans lumière. Honnêtement, je vois à peine. Vous voyez sûrement rien. Mais si je me rappelle bien, je crois pas que la grotte soit très très grande, celle-là. Je crois. Dans un sens, j'espère que c'est vraiment la dernière tour à fixer. Après, on aura seulement les... comment ça s'appelle? Les signaux, en fait, à aller voir, ce serait cool. J'ai très hâte de la mise à jour aussi, hein. J'ai très très hâte. Ça m'a un peu redonné envie de jouer à... De rester dessus, en fait. De rester sur The Long Dark. Mais le problème, c'est que, bah, du coup, il faudrait... Le mieux serait d'attendre la mise à jour. J'espère tellement que... Les nourritures qu'on va pouvoir faire, les plats là, les plats, vont nous donner des buffs. Oh là là, j'espère vraiment que ça va nous donner des buffs. Alors, on va s'arrêter là. Moi, je suis pas fan du tout de cette musique. Désolé, attendez, parce que... Elle est forte de ouf, quoi. C'est incroyable.
Ah, évidemment, le jeu va me... va m'embêter. Ok, c'est bon. Oui, parce qu'il a, il a tendance à changer d'écran maintenant, le jeu. J'ai encore ce même problème où le jeu switch d'écran automatiquement quand je fais un truc dans les options. J'ai ça depuis la mise à jour. Depuis 6 mois à peu près, du coup. Ok, très bien. On va dormir 5 heures. Histoire de récupérer un peu de vie. Ok, on est en pleine forme. On a 45,88, c'est très très bien. Je me demande si je devrais pas enlever toutes les musiques. J'ai pensé à ça souvent en fait. Genre enlever, retirer les musiques, mettre à zéro tout simplement. Oh non! Ah, j'ai ce problème, pourquoi ça arrive qu'à moi? Aïe, attendez. Mon jeu a vraiment un problème avec ça. Genre, quand je lance le jeu, je mets à peu près 10 minutes avant de pouvoir jouer. Tellement que ça merde ce système-là. Je sais pas pourquoi. C'est depuis qu'il y a la mise à jour, depuis qu'il y a eu le DLC, ça fait ça. Ok, ça devrait être bon, normalement. J'aime pas montrer des problèmes techniques, mais... Ok, on est bon, on a le bon FOV. Ouais, le jeu a ça depuis le DLC, en fait, simplement. J'ai jamais eu de problème comme ça avant. Et à ma connaissance, il n'y a aucun moyen de fixer ce problème pour de bon. J'ai déjà réinstallé, désinstallé le jeu et tout ça. Et le problème, en fait, c'est que j'ai deux écrans, mais mon deuxième écran, en fait, est en vertical. Du coup, c'est pour ça que ça déforme complètement, en fait. Enfin bref, voilà. Et j'endure ça à chaque fois que je lance le jeu, c'est super fun. Et il y a une option hein, pour choisir l'écran. Hein. Le jeu s'en tape complet, hein. Le jeu s'en cogne. Hein. Il y a écrit écran 1, écran 0. Non, il y a écrit écran 0 et écran 1. Le jeu s'en tape. Hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il va tout le temps monter, commencer, se mettre sur le mauvais écran. Enfin bref. C'est très très agaçant. Et ça a toujours pas été corrigé. Aïe aïe aïe. Alors, elle est là-bas la corne. Alors ça va, il fait pas trop trop froid. Je crois qu'on va gagner un peu de poids aussi quand je vais avoir les... Oh non, mais il y a une corde à descendre. Ah oui, c'est descendre et monter. C'est pas que monter. J'ai cru qu'il y en avait deux à monter en fait. Non, c'est pas très très... Ouais, ça va. Par contre, est-ce qu'on peut... J'ai jamais testé encore une fois, mais je me demande si on peut descendre. Je crois qu'on peut descendre là en fait. J'ai pas besoin de cette corde. Peut-être fait une connerie, moi. It's dusk, so night can't be far behind. J'ai peut-être fait une connerie. Oh là 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 là. Ça avait l'air possible maintenant. Ça va, ça va. C'est quoi qui a déchiré? Bah quasiment rien en fait. Ça avait l'air pot. Ouais non, en fait c'est parce que ça. Non. Alors c'est peut-être pas le bon endroit en fait pour descendre. On l'avait jamais regardé lui.
Évidemment, hein. Oh, il y a des arbres pour... arbres à glands, peut-être. Des lapins. Évidemment, il y a une tempête, hein, évidemment. Parce que sinon, ce serait pas drôle. On va aller dans la grotte. Je me rappelle plus exactement où est la grotte. Je crois qu'elle est par là. Ou pas. Je me rappelle plus du tout de la zone, quoi, c'est ouf. Évidemment. Évidemment. J'ai vraiment abîmé mes vêtements ou pas? Non, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas le cache-oreille, en fait. Parce que le cache-oreille, c'est le plus fragile. Donc, ouais. Non, on n'a qu'à faire ça pour passer le temps. Je vais pas pouvoir rester des années non plus ici, hein, donc on va devoir partir un moment. Après on a de l'eau et on a des calories, on peut faire un feu au pire. Ah ça va, ça va. Après, on m'a dit que je sais pas si on me l'avait déjà dit, mais je peux potentiellement oublier en fait si on me l'a déjà dit. Qu'on a une aurore boréale en fait qui est scriptée après qu'on. On fait une tour. Donc on aura toujours une aurore boréale à chaque fois qu'on a fixé une tour. Bah du coup, bah merci de me le dire, mais j'avoue que c'est limite une chose que j'aurais pas voulu savoir. Parce que du coup, ça gâche la surprise. Ça me gâche la surprise. Et moi, j'ai toujours tendance à regarder. La totalité des commentaires. Il y a un loup là-bas. Donc ouais. Évitez les trucs comme ça. Ça gâche mon fun. Ça gâche mon fun. Ça expliquerait pourquoi aussi quand je suis rentré en fait au... je suis rentré donc au lac Mystère. J'ai eu une aurore boréale juste après. Ça aussi, je l'ai pas montré parce que c'était chiant à regarder. En fait, c'était pas vraiment intéressant à regarder. Je me suis déplacé comme une tortue pour rentrer au lac Mystère en fait parce que j'avais la batterie évidemment. C'était très très chiant. C'est extrêmement chiant. Okay. On peut voir un peu. Okay, let's go. C'est extrêmement relou, j'avoue. Mais bon, ça va. C'était pas aussi chiant que de prendre une corde. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu le montrer. Parfait.
On va rester comme ça, parce que si jamais on s'échappe... Ouh, mais il y a plein de d'arbres à glands ici. C'est bien des arbres à glands, ça. Non? Ouais. Est-ce qu'on les prend maintenant? On n'est pas en surpoids, il fait pas trop froid. En fait, si, on va changer pour ça. Ouais, pas mal. Bon, bah go. Bah, vous voyez que s'ils ont vraiment bourré 1000 tonnes, en fait, d'arbres à glands, bah, on va rester un petit moment là. Enfin, je vais sûrement farmer de mon côté, en fait, faire le tour. Je ferai peut-être un autre épisode de farm et discussion. J'ai l'impression qu'il y en a partout des trucs, là. Il y a un autre endroit aussi de 1000 tonnes, ça serait le bas, là, où il faut descendre avec les cordes et tout ça. C'est encore plus bas que... Alors, attendez, je regarde s'il n'y a pas des trucs qu'on avait laissés, là. Bouteille d'eau, pot de massette. Ok, rien de... ouais, c'est pas là, au niveau de la ferme, c'est encore plus bas. Ce serait pas mal d'aller là-bas. Parce que... Oh mon dieu, c'est tout des trucs à glands. Non, t'es sérieux? Oh là là. Mais je crois que c'est ça en fait. 1, 2, 3... potentiellement 4... Ouais, on va rentrer, hein. On va rentrer parce que là, il y en a beaucoup. J'ai pas envie de passer mon temps là-dedans. Faut qu'on se repose, faut qu'on regarde si on a de la nourriture en réserve. De l'eau aussi. Est-ce que tu veux venir vers la maison? Comme ça, j'aurai un peu un... J'aurai un sandwich, en fait. Ah, tiens, le deuxième a dû me renifler, il a eu peur. Vous vous rappelez, une fois, j'avais expliqué que... On peut pas avoir plusieurs loups qui vous poursuivent. Ben, je crois que là, on a l'exemple, en fait. J'ai un peu peur qu'il y en ait qui me bloquent la... le chemin, par contre. En pleine ville. Ah, ça devrait aller. Faut qu'on refasse le tour des voitures aussi. Starting to feel numb. Je cours super vite sur la route, c'est énorme. Enfin, je marche. Je crois qu'il a du mal à me rattraper. Après, on va sprinter à la maison. Il y en a... Il y en a un juste à droite. Ouais. Donc, lui, il m'a lâché. Ah non, ouais, il me lâche et maintenant, c'est lui qui me poursuit. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. On peut pas avoir... Ok, go. On rentre. Tada, on est rentré. Alors, fais voir un peu. Donc, c'est lapin cuit. Bon, bah, c'est bon. C'est tout du cuit, hein. Bon, bah, c'est bien. On récupère un peu de calories, comme ça. On va aller dormir. Je vais essayer de me repérer dans la nuit. Alors, attendez, on va regarder les fenêtres. Ok, là on est en train de monter. Lit, ok. Nickel, je m'en rappelle encore. Parfait. Ok. On se réveille en pleine forme.
Faudrait qu'on... Ah, attendez, on a des... Ouais, on a ça. Ouais, c'est pas mal, ça, il faut qu'on fasse absolument le tour de Milton, du coup. Pour prendre tous les glands. Ah, il me reste encore un peu de temps. C'est vraiment abusé, ça. Je crois que de l'eau... Ah, de l'eau, on a laissé ça peut-être dans le frigidaire, je crois. Je crois qu'on avait fait un truc comme ça, où on avait mis l'eau dans le frigidaire. Très bien. Bon, bah, mission accomplie, on est à Milton et c'est tranquille. Très très tranquille. Par contre, on n'a pas récupéré toute notre vie. Ouais, parce que j'ai dormi en morceaux, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je me rappelle plus les glands, comment ça fonctionne. Il faut absolument en faire 4. Genre ça, on peut pas les utiliser. Hein. Enfin, les bouillir un par un, ça marche pas. Je crois. Enfin, je vais les laisser en promo. Alors, est-ce que je peux faire... On va faire ça parce que je vois rien et ça m'énerve. Oups, pardon, je voulais pas mettre pause. Pardon. Ça, c'est un truc que j'aime pas faire dans les épisodes, c'est mettre pause. Je suis encore dégoûté du fait que j'ai eu le problème de l'écran qui switch. Enfin bref, c'est pas grave. On est bien. Ok. C'est bon. Enfin, on voit pas grand chose hein, alors qu'il fait jour. Bon. On vérifiera ce qu'on a là quand il fera beaucoup plus jour. Par contre, on peut peut-être se... Peut-être lâcher des trucs, je sais pas trop. On peut lâcher ça à la limite. Pour le moment. On sort l'arc, on se baisse et on y va. Alors, est-ce qu'il est toujours là, lui, ou pas? Non. Oh! Ah, il va falloir... Tout refouiller, c'est fun. Il va falloir absolument tout refouiller. Oh là là, oh, on va s'amuser. Ok, je crois qu'il y a personne qui me suit. Ok, donc normalement c'est la tour qui est là. Hein. Si je dis pas de bêtises. Sprinter parce qu'il fait froid. On a déjà perdu pas mal de vie. Ok. C'est bon, c'est là. Alors, fais voir. Il y a des trucs autour. Non, il y a strictement rien. Ah, j'ai pas pris le métal, tiens. Ouais, de toute façon, on va utiliser la batterie, comme ça. Ce sera le plus lourd, c'est fait. Vide. Ouais, ils ont strictement rien mis. Alors, c'est peut-être dans Milton, en fait. Dans les maisons et tout ça. Peut-être. Allez, go. Alors, réparer la batterie. Bien, bien, bien fait de prendre la batterie. Alors, les fusibles. Les câbles. Et on est bon. Il nous faut juste les bouts de métaux, mais on les a pas encore. On les prend ici. Ok, très bien. Et voilà.
5. Bon ben voilà. Doucement, doucement. Ok, on rentre à la maison. Ça serait bien qu'on essaye de réparer la tour avant ce soir. T'es passé par où le loup là? Tu me fais un peu peur. Il est juste là. Va falloir qu'on les tue, hein. Va falloir qu'on fasse quelque chose avec les loups. On peut pas rester avec ça. Ok, donc là on a des torches, on voit rien. Même en pleine journée on voit rien. Il y a une batterie ici. On a une batterie ici. Oh. Est-ce que c'est une batterie qui était que j'avais trouvée déjà? Ou alors... c'est une batterie... qui a été rajoutée. Si c'est une batterie... que j'avais trouvé. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Ah oui, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Bon, là on a rien. Ouais. Ok. Et là, de l'eau, si vous avez... On a trois faitous. Ok, nickel. Ouais, s'il faut, c'était une batterie que j'avais trouvée. Hein. Mais ça m'étonnerait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh, on a pas mal de choses, là. Ah oui, on avait trouvé des balles. Je me demande si ça, c'est pas encore un bug, en fait. Oh, il y avait une scie. Je savais pas que j'avais une scie. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très grave. On a des allumettes en carton. On va les prendre pour les utiliser. Boisson énergétique. Je me demande si ça, ces trucs-là, on est censé les trouver ou pas. Est-ce que je vous rappelle que nous, on avait commencé donc à la dans la zone qui est proche de Milton. Et il y a eu tellement de problèmes quand on avait commencé dans ce... Enfin, au tout début, là, genre il y a 6 mois. Il y avait tellement de problèmes avec la loot table. Où c'était... On avait tout et n'importe quoi. C'était un gros bordel. C'est pour ça qu'on a un couteau, hein, au passage. Hein. C'est pour ça qu'on a un couteau de chasse. Donc je me demande si c'est... S'il n'y a pas plein d'objets, en fait, qu'on devrait pas avoir. Bon, le métal, il n'y a pas grand-chose. J'ai vu une lampe, mais... Soit en métal. Ah oui, attention au bruit, parce que là, ça va être chiant, ce bruit-là. Putain, il faudrait que je prenne une lampe, quoi. Je vois rien du tout, quoi. C'est ouf. Ça, j'ai pas vraiment envie de la scier. Ben, en plus, je peux pas. Non, on va scier dans les autres bâtiments. Parce que, en fait, quand il y a une aurore boréale, ça s'allume. Donc, du coup, j'ai pas trop envie de... De retirer des sources de lumière. Alors. Faudrait qu'on aille à l'église aussi. C'était aussi l'époque où quand on ouvrait un capot, il se refermait automatiquement. Ça, c'était bien chiant, ça aussi, pour savoir quelle voiture on avait fouillé. Vraiment relou.
Ah, il y en a un de loup. Faire ça, juste au cas où. Ouch, dans l'œil. Enfin, normalement, j'ai le sac qui prend les dégâts avant ça. Donc, je risque rien. Enfin, vous savez quoi, ça, on le... Attendez, on va juste finir ça. On double check, en fait, un peu tout. Mais ça, ça va être... ça va être pour de la farm. Ça va être absolument pour de la farm. On va aller à Crédit Union. On va regarder pour du métal. Il nous faut encore 4 morceaux de métal. J'aurais dû plus attentivement regarder mes vidéos, mes toutes premières vidéos en fait, mes tout premiers épisodes. Oh, il y a un nouveau cadavre ici, lol. Ouais. Pour la batterie, je parle. On va prendre ça. 2h30, mais non, mais t'es sérieux, quoi. Pour la batterie, comme ça, on n'aurait pas eu besoin d'en prendre une. Mais bon, c'est pas très grave. Oh, non, attends, sans déconner. Quelle merde. Oh. Il y a plein de petites nouvelles choses, honnêtement. Ou alors, je les ai vraiment pas vues, mais ça m'étonnerait. Le cadavre, en tout cas, il était sûrement pas là. Je vais pas louper un cadavre, hein, quand même. Surtout que les tiroirs et tout ça, ils étaient fouillés. Hein. Donc, bon, tu vas pas me dire que j'ai enjambé le cadavre sans le fouiller, quand même. Je vérifie au cas où s'il n'y a pas des nouvelles choses encore. Ok, j'ai vu un objet qui nous donnait 4 de métal. C'est celle-là. 2h20, ouais, bah... Go 2h20, je crois. Ah, ce bruit. C'est bon. Oh non, il y a une tempête. Sérieux. Ah, tout pour nous faire chier. Hein. Tout pour être relou. Pas mal de bâtons, bois de récupération, ça, charbon, ok. Ah, on a du bois pour faire des flèches et tout ça. C'est pas grave, de toute façon maintenant on est là, c'est fait. Je suis en train de me dire, putain, j'aurais pas dû prendre de bâtons. Oh, chaise. Ah oui, j'ai pas de hachette pour la chaise, c'est pas grave. Un truc tout bête, j'ai une scie à métaux. La scie à métaux, elle peut aussi scier le bois. Elle peut complètement le faire, hein, parce qu'on peut le faire à l'extérieur. Alors ta chaise, là, je peux la scier. On va dormir. Parce que je sais pas trop quoi faire, en fait, pour attendre que la tempête passe. J'ai pas grand chose à faire. On a de l'eau en réserve, j'ai des calories aussi en réserve, c'est pas trop grave. Je crois que je vais devoir courir pour aller changer. Comme ça, on aura une aurore boréale. Faut faire attention quand même, s'il n'y a pas des loups.
Ok, c'est surtout le vent qui est froid, donc ça va. Très bien. Après, le problème que j'ai, c'est que, ouais, il va falloir repartir avec la batterie. Ou alors, on peut la laisser là, honnêtement. Si on en a vraiment plus besoin des batteries, on peut la laisser là, celle-là. Et il faudra marquer qu'on a une batterie Hamilton. Alors, ça. La touche du métal bien froid avec les mains. Ouais, bien. C'est horrible de regarder ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge derrière moi. Bon, maintenant je peux rien faire, je suis dans l'animation. Ah, ça s'est calmé. Ça va. Il fait plus froid du tout, c'est bien. Tada! Alors. 50%, réparer le transmetteur de la vallée de la rivière Calme. Ok, ça marche. Donc la vallée de la rivière Calme. C'est où ça déjà? Je me rappelle plus. Oh, ok. Ah mince, j'ai pas les fusibles et tout ça. Il y a une tour maintenant dans la vallée de la rivière Cam, t'es sérieux? Sans déconner. Ils ont mis une tour là-bas. Il y en avait une déjà avant ou pas? Je me rappelle. Ah mais du coup, il nous faut... Alors là-bas, bah, c'est très très bien en fait. Non, en fait, du coup, bah, ça tombe très très bien. Parce que on a la batterie qui est ici, donc pas besoin d'aller en récupérer une autre. C'est bah, super. Bah voilà, bah du coup c'est. Ça se goupille super bien, je suis content. Par contre, on n'a pas assez de câbles ni de fusibles. Il nous manque 3 fusibles et il nous manque un câble, je crois. Parce qu'on en a trouvé un câble. Non, on a trouvé un fusible. Donc il nous manque 2 fusibles et 2 câbles. C'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Alors, on en a au lac Mystère, hein, bien sûr. Mais du coup, il faudrait que je fasse un aller-retour. On peut le faire. Techniquement, on peut le faire. À la limite, je le ferai pour un épisode de farm. Parce qu'un aller-retour, c'est pas vraiment très intéressant. Par contre, avant de faire quoi que ce soit... On va prendre des morceaux de viande. Ok. Non. Non, t'es sérieux? J'ai eu ce bug. Alors, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais je l'avais jamais eu avant. C'est la deuxième fois que je l'ai maintenant. Alors, attendez, on va rentrer et sortir. Je l'ai déjà eu quand je faisais de la farm hors épisode. J'ai tué un loup, j'y suis retourné, je pouvais plus le looter. Putain, ce jeu, quoi, ce jeu, ça fatigue ces bugs, oh là là. Qu'est-ce que ça fatigue. Non, je peux rien faire, c'est comme s'il y avait pas de loup. Oh putain de tout. Ah, c'est fatigant, c'est méga fatigant honnêtement. C'est pour ça que des fois j'ai plus envie de le toucher.
Enfin, j'adore hein, faire mes aventures et tout ça. Mais des fois, j'ai juste plus envie. J'ai tout simplement plus envie. C'est toujours des problèmes, quoi. C'est ouf. Hein. Toujours des problèmes. Alors après, est-ce qu'on a des chances de trouver des fusibles et des câbles ici? Je suis en train de me demander, peut-être à la station service. Ça me paraît très logique. Ça me paraît très logique d'avoir d'avoir une chance de trouver des câbles et des fusibles. On peut y aller maintenant. C'est un peu loin par contre. Oh non, t'es sérieux, il y a un brouillard maintenant. Bon, c'est un peu trop loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va dormir quelques heures. Comme ça, on va se réveiller en pleine aurore boréale. En théorie. Ça m'embête le coup du... Après, on n'est pas super, super fatigué. Il fait pas très, très froid. Est-ce qu'on peut rencontrer un autre loup qui est pas loin? Enfin, en plus, le loup, il était parfait. Il était juste devant notre maison, quoi. Sans déconner. Ça me rend fou. Ah, mais je crois qu'on peut dormir à la station service. On a qu'à se reposer là-bas. On a de... J'ai de l'eau sur moi, non? Y a plus aucun loup. C'est quoi ce bordel? Y a plus rien. Incroyable. J'en entends un là-bas. Oh, câble. Ah ouais, il faut absolument tout refouiller en fait. Genre le moindre morceau de Milton, il faut refouiller. Il faut absolument tout refouiller. Parce que peut-être que si on a de la chance, on peut tout trouver. Mais ça m'étonnerait, honnêtement. Mais c'est une possibilité. Il faut absolument tout refouiller. Par contre, j'ai pas de lampe, ça m'embête. Ça m'embête. Je serais très très surpris de strictement rien trouver ici en tant que matériau pour la tour. Après, techniquement, on en a trouvé un à l'extérieur. Mais je serais quand même bien surpris de rien trouver. Ok, là on avait fait le plein de bouteilles d'eau. C'est quoi ça? Table. Ah,
table. On avait fait le plein de petits bois. Très bien. Ouais, bon bah... Surpris, il n'y a rien à l'intérieur. Assez surpris quand même. J'aimerais bien faire le tour avec une... Avec une lampe quand même. J'en ai pas. Non, je crois qu'on n'a rien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir ici. Dormir ici, on va faire ça. Alors. Hop. Allez. J'ai même pas regardé ce que ça couvrait. Bon bah c'est bon, ça marche. Vache, qu'est-ce que c'est fort. Oh mon dieu, ça me tue les yeux. Antibiotiques, analgésiques, antiseptiques. On prendra ce que vous nous donnez, on n'a plus rien. Et c'est ma faute. C'est parti! Je suis prêt à être déçu. Là-bas. C'est à droite. Comme ça, c'est pas très loin. Putain, je l'ai vu en plus. Allez, on est prêt pour être déçu. C'est parti. C'est bien. Regardez le camion si on n'a pas des trucs qui sont apparus. Vous voyez, s'ils étaient un peu intelligents, ils mettraient quand même plus de câbles et tout ça. Je peux pas dire. Mais... Enfin bref, pas grave. En théorie, on a assez de câbles et de fusibles. Je garde la radio si jamais elle détecte un autre signal. Ça m'étonnerait, mais... Je pense qu'il faudrait être très loin, en fait. Là en fait, on n'a pas besoin d'être là. On peut rentrer au centre de Milton à la limite.
On s'arrête là? Ouais, on peut faire ça. Par contre, je veux bien tomber sur un loup en fait. Il y en a un là-bas. Ah, il y en a un qui m'a aggro. J'aime bien la musique de l'aurore boréale, mais j'avoue que des fois, je me demande si je devrais pas couper la musique complètement. Ça fait plusieurs années que je me dis ça. Après, j'avoue que c'est un peu, ça fait partie un peu du fun, quoi, les musiques. Mais... Allez, ramène-toi. T'es en train de courir là? Oh, il y en a un autre. Merde, il y a un autre qui m'a aggro, qui s'est arrêté. On peut s'arrêter là. On va s'arrêter là, je vais dormir le plus possible. Faut que j'aille chasser, faut que je fasse de la viande, du feu et tout ça, c'est pour ça que j'ai pris du bois. Donc ouais, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois... Bah du coup, la prochaine fois, on est un peu... J'avoue qu'on va devoir... On va devoir continuer. Parce qu'il faudrait faire le transmetteur de la vallée de la rivière Calme. Je l'ai là. Ouais, mais non, mais j'ai rien. Oui. J'ai rien fait. On va devoir faire ça. Par contre, encore une fois, le problème, c'est qu'il nous manque du matériel. Donc, il nous manque deux fusibles et un câble, maintenant. Et je vais être franc, ça m'étonnerait qu'on le trouve ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sûrement un épisode de farm. Et ouais, on fera le tour. On refera le tour, en fait, de Milton. Je ferai de la nourriture et tout ça. Et notre prochain épisode, je pense que entre temps j'aurai fait aussi un aller-retour au lac Mystère pour aller récupérer des fusibles et des câbles et tout ça. Dans un sens, je me dis que j'aurais dû en prendre plus, mais bon, on était tellement limité par le poids. Mais ouais, je crois que je vais devoir faire un aller-retour. Je pense pas qu'on trouve tous les trucs ici. Mais ouais. En tout cas, on a fait quoi? Je crois qu'on m'avait dit 6 tours, moi. Enfin, 6 tours. Je sais pas si c'est vrai. Alors, réparer le transmetteur, ça fait 1, 2, 3... Donc ça, c'est notre quatrième, ça. 4. Donc ça serait 5, et après, il y en a un autre. Encore. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Au final, ça s'est bien passé, honnêtement. On a eu un bon épisode. Je suis un peu désolé pour le problème de l'écran et tout ça. Faudrait que je regarde si ça a pas trop foutu le bordel. Mais ouais. On a eu un bon épisode. On a bien fait de prendre la batterie. Maintenant, on a encore une autre mission à faire. Je pense que du coup, je vais essayer de faire ça avant la mise à jour. Mais je suis pas certain. Je sais pas. On verra. On verra un peu comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, voilà. Je fais maintenant de temps en temps des épisodes de farm. Si vous êtes intéressé à regarder un peu du The Long Dark pendant la semaine. Donc ouais, ça peut... C'est toujours sympa. Je suis là et je discute pendant une ou deux heures. Peut-être que je le ferai même en stream, un de ces quatre, on verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.